Le temps, c'est quelque chose d'important, le temps. Pour avoir le temps, il faut prendre le temps. Et si on ne prend pas le temps, comment peut-on avoir le temps? Oui, c'est une phrase que j'ai piquée dans Matrix 2 et je vous emmerde. Voilà. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui vont dire « Oui, c'est pas toi la phrase et tout, c'est le Mérovingien. » Le Mérovingien qui était joué par Lambert Wilson, d'ailleurs un acteur français, hein. Le pauvre, hein. Il y a plusieurs acteurs européens qui sont allés se perdre dans ce film de merde, Matrix 2. Enfin bref, aujourd'hui on va tester non pas une, mais deux montres. Des montres très très cheap, hein, puisque la paire devait coûter 2 ou 3 euros, je sais plus. Voilà. Donc vous en avez une noire. Et vous en avez une blanche. Voilà, donc vous pourrez en garder une et en offrir une à votre copine. Bon. Un peu un cadeau empoisonné. En fait, non, pas tellement, parce que bon, c'est vrai que d'apparence, comme ça, la montre, elle est assez cheap. C'est tout du plastique partout. Mais c'est d'un seul tenant, donc je pense qu'il doit y avoir une certaine résistance aux éclaboussures qui est plutôt pas mal. Vu que c'est... je crois que la montre a même une certification IP57, un truc comme ça. À vérifier, vous irez voir sur la fiche produit. En fait, quand vous appuyez sur l'écran, hop, je sais plus où c'est. Voilà, hop, ici, il y a une zone. Hein. Ça vous affiche l'heure pendant quelques secondes avec une petite animation. Et hop, l'heure s'en va avec une petite animation. Voilà. Et je crois que si on appuie une deuxième fois, on a la date. Alors, voilà. Il faut appuyer bien au milieu. Voilà. Donc là, on est le 1er décembre. Oui, vous en doutez, je filme ces vidéos un peu en décalé. Hein. Enfin, vous voyez, on est quand même au mois de décembre. Hein. Je ne vous prends pas non plus pour des billes. Je ne fais pas ces vidéos 6 mois à l'avance. Puis en plus, j'ai pas eu le choix puisque j'ai reçu ce colis. C'est le dernier colis d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui s'inquiétaient un peu, ça y est, hein, j'ai tous les objets. C'est le dernier colis du lot et je l'ai reçu hier. Donc en fait, je n'avais pas tellement le choix non plus. Hein. La blanche, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est blanche. Voilà, donc ça vous affiche l'heure, tac. C'est un peu moins net, je trouve, sur fond blanc que sur fond noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une sorte de petit effet de flou. C'est pas la caméra qui fait ça, hein. Il y a vraiment un effet de flou sur le modèle blanc. Mais bon, l'heure reste lisible quand même. Hein. Donc voilà, si vous voulez une montre pas chère, ça peut être pas mal quand vous partez faire du sport ou quand vous allez dans un endroit un peu craignos. Et que vous voulez pas vous faire voler votre smartwatch à 1500 boules. Oui, non, celle-là ne vaut pas 1500 boules, hein, je vous rassure. Mais ça peut être pas mal d'avoir comme ça des petites montres cheap qui craignent rien parce qu'elles sont pas chères, quoi. C'est tout pour aujourd'hui.